S'il te plaît, voilà, et puis tu vas les ouvrir en partant. Tu fermes la porte, merci beaucoup. Ferme la porte ici, s'il te plaît, mon fils. Merci, soyez béni, soyez béni, soyez béni dans le nom puissant de Yahweh, le nom puissant de Yeshua Mashiach. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein. J'ai pris un petit moment de repos. Il fallait que je me renouvelle. Je suis comme l'aigle. Quand l'aigle est fatigué, il va au sommet de la montagne, hein, pour renouveler ses plumes. Hein. Il laisse tomber les anciennes plumes et puis il reprend des nouvelles plumes. Quand tu le regardes en train d'enlever les anciennes plumes, tu te dis, mais l'aigle va mourir. Hein. L'aigle est fatigué et cet aigle-là se renouvelle. Ah, oh, c'est la nature du serpent aussi. Hein. Le serpent retire l'ancienne peau pour avoir une nouvelle peau. Oh, Jésus a dit, soyez prudents comme le serpent. Alors, je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec. Oh, il a fallu que je prenne un petit temps de repos pour me renouveler. Il y a eu trop de voyages, trop d'enchaînements de voyages, trop de forces spirituelles qui sont parties, trop de combats, trop. Quand tu donnes. À un certain moment, tu as besoin de te ressourcer. J'étais en train de me reposer un peu. Demain, nous avons un direct. Nous avons un direct demain à partir de 21h. Demain, c'est quoi? C'est mercredi, ouais. Nous avons un direct. Nous reprenons nos directs de prière à partir de demain. Demain, 21h de Paris. Voilà. Nous reprenons nos directs. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai un message très fort et je pense que demain nous allons passer un moment prophétique très puissant. Que la grâce de Dieu soit avec vous abondamment. Je bénis tous ceux qui suivent ce direct. Je bénis tous ceux qui me suivent de près ici en France comme ailleurs dans d'autres pays. Que la puissance, la grâce de Dieu soit avec vous. J'ai quelque chose à vous raconter ce soir. Alors avant que je vous dise quoi que ce soit, je vous conseille d'aller sur notre site Myriad. Le site du Myriad, c'est www.myriadefrance.net. La boutique du Myriad est ouverte. Vous allez trouver les savons de délivrance, les savons de protection. Vous allez trouver l'huile d'onction, l'huile de protection. Il y a des kits dans lesquels se trouve l'huile, le sel et tout ça. Allez-y seulement sur le site du Myriad. Cliquez sur la boutique. Faites votre choix. Et ce sont des produits, des éléments bénis, consacrés pour vous spécialement. Je ne vous dis pas que ça vient d'Israël. Non, ça ne vient pas d'Israël. Ça vient de moi-même. Ça vient de moi-même. Voilà. L'onction que Dieu a mis dans ma vie, là, s'est déposée dedans. Donc, voilà. Donc, nous allons... Tu vas sur le site, tu peux faire tes achats sans problème. Donc, je vous conseille de visiter le site et d'aller surtout sur la boutique. Il y a des promotions en ce moment, parfums spirituels, savon, huile, il y a des pour différentes situations. J'ai pris le temps de consacrer ces éléments pour vous. Donc, en plus, si vous avez des choses chez vous, comme par exemple une photo, une bague, un bracelet, quoi que ce soit, et que vous voulez qu'on consacre, qu'on prie là-dessus pour que ça vous apporte certaines grâces, vous avez aussi sur la boutique une rubrique, vous pouvez cliquer dessus, et puis vous pouvez appeler la secrétaire, on va vous expliquer comment on procède. Que Dieu vous bénisse, voilà, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je veux dire à quelqu'un, ce que Dieu a mis en toi est fort, personne ne peut le retirer. Les gens peuvent copier, les gens peuvent chercher à apprendre, les gens même peuvent croire qu'ils sont au-dessus de toi. Hein.
Mais ce que Dieu a mis en toi est fort. Il faut prendre soin de ce que Dieu a mis en toi. Tu n'es pas n'importe qui. J'assure à une personne qui est en train de m'écouter ici que tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas être n'importe qui puis venir t'asseoir pour m'écouter. Ce n'est pas possible. Si tu écoutes le son de ma voix, c'est que tu as été sélectionné. Je te promets, ce n'est pas pour me glorifier. Tu écoutes le son de ma voix, c'est que tu as été prédestiné à quelque chose de grand dans ta vie. Parce que cette bouche, c'est une bouche autorisée. Et à partir du moment où je libère, il y a quelque chose qui se passe dans la vie de quelqu'un. Moi, ce sont les témoignages qui viennent vers moi qui me font avoir la force de continuer le ministère. On peut faire le tapage, on peut montrer des images, on peut faire tout ce qu'il faut, mais il y a des choses concrètes qui se vivent dans l'âme, dans l'esprit de certaines personnes, et c'est ce qui te donne la force d'avancer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Visitez le site surtout www.myriadefrance.net. Cliquez sur la boutique, faites vos achats. Tu as besoin d'une huile de protection, un savon. Et aussi, tous les savons sont puissants. Les savons sont puissants. Les savons sont puissants. Je les ai consacrés. Les savons sont puissants. Tu es en train de pleurer. Il n'y a pas de mari, il n'y a pas de femme. Ah, je vois toujours des choses bizarres qui me suivent. Ah, je dors mal. Les savons sont... Je ne peux pas être partout pour prier pour tout le monde. J'ai pris l'initiative de consacrer des éléments qui vont vous bénir. Et c'est sur la boutique. À vous de faire vos achats. Que Dieu vous bénisse. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Ce soir, par la grâce de Dieu, je vais vous raconter quelque chose. Parce que demain, on aura un direct. Donc, je ne vais pas trop parler. Il s'est produit un miracle aujourd'hui dans ma maison. Ouais, mon téléphone. Il s'est produit un miracle dans ma maison aujourd'hui. Je vais vous montrer quelque chose. Comme je voyage, tellement que je voyage, quand je rentre chez moi, j'aime prendre soin de ma famille. J'aime faire deux fois à manger parce que je suis de formation cuisinier. J'ai un diplôme de cuisine. J'aime bien cuisiner. J'aime mettre ma famille à l'aise. J'aime que ma femme s'asseye un peu. Moi, je cuisine. Les enfants mangent. Ils aiment ça. Quand je cuisine, tout le monde aime ça. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ma femme est allée au sport. Elle est allée au sport. Et dès qu'elle est allée au sport, on devrait aller ensemble. Je lui ai dit non, va-t'en. Je vais rester seul avec les enfants. Et voilà, je faisais la surprise. Donc, il y avait un bon poulet fermier au four. J'ai pris le poulet. Et je disais que j'allais faire un poulet au four. Je l'ai bien assaisonné, je l'ai posé au four. Mais quelque chose s'est passé. J'ai pris le poulet, je l'ai mis au four, bien assaisonné. J'ai d'abord mis au départ, j'aime bien quand c'est croustillant là-dessus. Donc je l'ai mis vers 190-200 au four. Et puis ça croustille un peu le dessus. Après j'ai baissé à 150. Et puis voilà, j'ai mis ça à feu doux, j'ai laissé le poulet, je voulais qu'il cuise tranquillement et paisiblement. Je suis venu m'asseoir au bureau, dans mon bureau, j'ai oublié qu'il y avait le poulet au four. Ma femme est quittée au sport, elle est arrivée, elle ne savait même pas que j'avais mis du poulet au four, parce qu'on était pressé de descendre, on était pressé de sortir, il y avait des rendez-vous, il y avait des rendez-vous, des choses à faire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que comme elle est arrivée, elle a pris sa douche, elle a lavé ses cheveux, tout ça, tous ces trucs. Moi, j'étais dans le bureau en train de m'occuper de ce que j'avais à faire. J'avais des coups de fil, j'ai des choses à régler. J'étais appelé aux États-Unis, un peu partout. J'étais en train de régler plein de choses. Les enfants étaient au salon, les enfants jouent au salon, ils font tout ce qu'ils ont à faire. Et puis, à un moment, les enfants sont venus me voir. « Papa, est-ce qu'on s'apprête pour sortir ?»« Oui, apprêtez-vous, parce que je vous emmène au coiffeur, tout ça. » Et les enfants se sont apprêtés. Madame a fini, on est descendu rapidement. Et j'ai oublié que j'avais mis le poulet au four. Frère, je te parle de quelque chose. J'ai oublié qu'il y avait un poulet au four à 150 degrés. Peut-être un peu plus même, parce que j'aime quand ça croustille bien. On est parti. On a quitté la maison vers 14 heures. Là, il est quelle heure? Il est 20 heures. C'est à 20 heures, vers 19 heures et quelques là, on est rentré. En route, pendant qu'on est en voiture, je pose la question, au fait, qui a éteint le four?
Tout le monde me répond, ah, moi je n'ai pas touché. Madame dit non, je ne savais même pas qu'il y avait quelque chose de fou. Les enfants disent non, je n'ai pas touché le fou. Je dis quoi? Il y a un poulet au fou. Il y a un poulet au fou. Il y a un poulet que j'ai mis dans le fou. Personne n'a touché le fou. Moi-même, j'ai oublié, j'ai cru que vous avez éteint. Je dis là, on est mal. Mon fils là, qui est mon fils qui est grand, on dirait un géant, je sais pas, il est assis à côté de moi, il dit, papa, par la grâce de Dieu, il n'aura rien. Le Seigneur nous protège. Celui qui a été baptisé il n'y a pas longtemps. Il dit, mon fils, que Dieu t'entende, tu as la foi. Je prenais la nationale, j'ai laissé la nationale, je suis allé prendre l'autoroute, j'ai commencé à rouler à 130, 130, j'ai frayé même. Je suis arrivé, mon fils, l'avant-dernier, il dit, papa, je suis plus rapide que toi, parce qu'on est en haut, on est au quatrième étage. Il dit, je suis plus rapide que toi, donc donne-moi la clé, je vais monter. Il court, il s'en va. Je le suis, et il est rentré à quelques minutes près, je suis monté en même temps que lui. Et puis, il ouvre là, le salon, il va dans la cuisine, il regarde le four. Il regarde le four, il n'y a pas de fumée. Il regarde le poulet est croustillé au-dessus. Le poulet est croustillé au-dessus, mais le poulet n'est pas cramé. Regardez. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Je ne sais pas si quelqu'un voit bien cette photo. Vous voyez, il n'est pas cramé. Et le fou était toujours en marche. Le fou était toujours en marche, mais il n'y avait pas d'odeur dans la cuisine. Il n'y avait pas d'odeur dans le salon. On a l'impression que quelqu'un est venu et puis il a éteint le fou ou bien il a mis le fou en silencieux. J'ai même appelé le gardien de l'immeuble avant de prendre l'autoroute. Je l'ai appelé. J'ai dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème dans l'immeuble? Il dit non. Il dit, il n'y a pas les pompiers. Il dit non. J'ai dit, j'ai laissé un poulet au four. J'ai laissé un poulet au four. J'ai oublié. Il dit, mais en tout cas, moi, pour le moment, j'ai rien vu. Peut-être que c'est ton poulet qui va te cramer. Tu ne vas pas le manger, mais pour le moment, là, il n'y a pas de problème. J'ai rien vu. Donc, j'ai roulé, je suis arrivé. Frère, voilà le poulet. Je l'ai pris en photo. Voilà. Parce que quand on passe souvent, les gens ne peuvent pas forcément croire. Voilà le poulet. Rien. Aucune odeur. Aucune odeur. Comme si un ange est passé pour m'éteindre le four, pour le mettre la ventilation, je ne sais pas quoi. C'est comme quelque chose s'est produit pendant que nous n'étions pas là. Parce que c'est pas normal. Même quand j'ai mis le poulet au four, moi-même, je sentais l'odeur. Je voyais la fumée du poulet avant de venir m'asseoir au bureau. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à analyser. J'ai dit, waouh! Quand Dieu protège, on dit, Daniel, dans la fosse lion, zéro. Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise d'Adam, zéro. Et le psaume 91 dit que 1 000 hommes à tes côtés, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu vas voir. C'est-à-dire qu'aucun fléau ne va t'atteindre. C'est-à-dire que quand tu vis des choses comme je viens de vivre aujourd'hui, tu te dis non, Dieu même. Imaginez, frères et sœurs, que à cause de mon four, à cause de mon poulet, un immeuble entier a pété. Le feu dans l'immeuble. Les pompiers partout. Tout ce que je me suis efforcé d'acheter dans ma vie disparaît. En un clin d'œil, à cause d'un poulet dans un four, un petit moment d'inattention. Non. Ce Dieu-là, je ne peux que le remercier. Je voulais profiter de cette occasion pour dire à une personne, fais confiance en ton Dieu.
Franchement, j'insiste et je persiste que quand Dieu a sa main sur toi, aucun malheur ne peut t'arriver. Aujourd'hui, là, vous aurez entendu, le bishop a eu sa maison cramée, il a tout perdu. Tout. J'ai dit tout, hein. Il a tout perdu. Actuellement, mais il y a des enquêtes. Peut-être que vous m'aurez vu dans les journaux. Vous m'aurez vu à la télévision aujourd'hui, dans les médias. À cause d'un poulet, j'ai cramé un immeuble entier. Aujourd'hui où je vous parle. Mais la grâce de Dieu, la main de Dieu, j'ai rappelé le gardien parce qu'il m'a dit si je rentre de le rappeler. Je l'ai rappelé. J'ai dit oui monsieur, c'est moi. Il dit alors c'est comment? J'ai dit il y a eu un miracle dans ma maison. Rien ne s'est passé. Je rends gloire à Dieu. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il me dit le poulet là, gardez-moi une cuisse. Demain matin, je vais passer pour manger. Il dit, ah le poulet. Il dit, oh, ça le voit bien. Il dit, gardez-moi une cuisse. Demain matin, je vais passer pour manger. Le poulet en Martinique, un poulet comme ça, on appelle poulet boucané. Il est cramé au-dessus, là. Poulet boucané. Magaya Kasso. Lui, là, on ne va pas l'appeler poulet boucané, on va l'appeler poulet forcé. Chers frères et sœurs, mettez votre confiance en Dieu. Dans ces temps-ci où beaucoup de personnes sont inquiètes, est-ce que le vaccin ne va pas nous tuer? Est-ce qu'il faut faire le vaccin? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Peut-être qu'ils vont nous mettre la puce. Moi-même, je dis ça. Moi-même, je suis quelqu'un, je ne suis pas prêt pour le vaccin. Je ne suis pas prêt pour le moment. Moi-même là, je veux voir clair. Je veux que Dieu me donne une conviction claire avant qu'on mette quelque chose dans mon corps. Je prie pour mes enfants. Je fais partie des gens qui n'ont pas aimé le discours d'Emmanuel Macron hier. Je fais partie des gens qui ne sont pas pour l'obligation du vaccin. Que ce soit par volonté, que la personne se décide de le faire. Je fais partie des gens qui se disent ceux-là, ils veulent nous mettre des trucs dans le corps. Ceux-là, ils veulent nous tracer. Ceux-là, je fais partie des gens qui n'aiment pas cette histoire de vaccin obligatoire qui a commencé. Mais Dieu vient de me prouver quelque chose aujourd'hui. Frère, si Dieu est avec toi, on a quand même te mettre le poison dans le corps. Jésus a dit, ils vont boire des breuvages mortels, il ne fera aucun mal. Même si la carte est obligatoire, ils n'ont qu'à nous prendre pour mettre prac. La force et la puissance de Dieu qui est en nous va détruire ce qu'ils ont mis dans notre corps. Ouais. Je suis absolument. Ça dit que moi, je ne suis pas prêt. Mais le jour où ils vont dire que c'est obligatoire, je crois que par nos prières, par ma relation avec Dieu, ce qu'ils ont pensé avant de le faire, même leur puce là, qu'ils vont mettre dans le corps là, ça va se briser, se détruire. Ça, ils vont faire une déconnexion de leur puce. Ouais. Satan était content aujourd'hui. Il dit, oh, lui là, je l'ai eu. Il fait son malin là. Tous les sorciers étaient contents aujourd'hui. Oh, sa maison va brûler. Oh, affaire de poulet. On va entendre parler partout de lui. Voilà, il a tout perdu un coup comme ça. Bouya! Dieu dit non. Il y a un ange qui est là qui sait éteindre le four. Il y a un ange qui est là qui sait éteindre le four. Il y a un ange qui est là qui va rentrer régler ce problème. De 14h à 19h, le four est resté allumé. Le poulet est resté dans le four. J'ai dit de 14h à 19h. Si ce n'est pas un miracle, un four qui a plus de 150 degrés,
La maison est enfermée, on a fermé tout avant de partir. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, n'aie plus peur. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, la main de Dieu sur toi peut retirer tout poison. La main de Dieu sur toi peut retirer toute malédiction. La main de Dieu sur toi peut retirer tout. Les hommes de ce monde, les gens forts de ce monde pensent qu'ils sont puissants, mais ils ne sont pas plus puissants que Dieu. La fournaise ardente ne peut rien contre toi quand Dieu est avec toi. Le lion ne peut rien contre toi. Il a dit, tu marcheras sur le dragon et l'aspic. Il a dit que même les démons te seront soumis. Aie confiance en ton Dieu. Je voulais vous rendre ce témoignage. Ce soir, je ne devrais pas faire de direct. Hein. C'est demain qu'on a un direct. C'est demain à 21h de Paris qu'on a notre direct de prière. Je prépare ce direct pour demain. Mais ce miracle qui s'est produit aujourd'hui, à la veille du 14 juillet, hein, aujourd'hui c'est le 13 juillet. Imaginez demain 14 juillet, pendant que les gens fêtent, moi je serai peut-être entre les mains de la police en train de faire des enquêtes. Mes enfants auraient tout perdu. Le feu aurait tout brûlé chez moi. Et ça aurait été le plaisir de beaucoup de personnes, la joie de beaucoup de personnes. Mais le Dieu que je sers avec tant de persévérance n'a pas permis cela. Le plan a été déjoué. Comment un cuisinier peut laisser quelque chose dans un four, oublié? Et puis j'ai zappé complètement. Je suis parti dans une autre ville. J'ai zappé. Je vous dis que c'est au retour que je me suis rappelé qu'il y avait quelque chose dans le four. J'ai oublié que j'avais mis un poulet dans un poulet. Comme si on m'avait enlevé ça de la tête. Si ce n'est pas Dieu, je n'ai jamais vu ça. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que toute personne qui m'entend, qui se trouve dans une situation difficile, d'épreuve, que la main de Dieu soit sur toi. Si tu as fait le vaccin, un vaccin déjà, et que tu ne te sens pas bien, que le poison qui est dans ton corps soit retiré. Si tu es contaminé par le COVID-19, tu es contaminé par le corona quelque part, que la main de Dieu te l'enlève. Je proclame la protection aujourd'hui sur la vie de toute personne qui m'entend. Je proclame la protection sur l'âme, la vie, le corps de toute personne qui m'entend. Que tout piège satanique qui t'est tendu soit brisé, détruit aujourd'hui. Que tout ce que les gens font contre toi échoue dans le monde spirituel. Toute incantation, tout ce qui est fait, toute cérémonie qui est faite contre ta vie, contre ta destinée, contre ton histoire échoue. Que la protection soit sur tes enfants. Que la protection soit sur ta maison, sur ta femme, sur ton mari. Que tes projets soient protégés. Frères et sœurs, que la mort s'enfuit de ton territoire, mais que la grâce divine soit sur ta vie. Mon fils, dans la voiture, quand je venais, moi qui suis le père serviteur de Dieu, j'étais inquiet. Parce que je suis le papa. J'ai mis la vie de tout le monde en danger. Mon fils qui a que 14 ans, qui est géant comme, je ne sais pas, Goliath, il me dit, papa, par la grâce de Dieu, il n'y a rien qui va arriver. J'ai compris pourquoi Jésus a dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants. Parce que moi-même qui suis serviteur de Dieu, qui prêche du matin au soir, j'étais inquiet. Inquiet pour ma femme, inquiet pour mes enfants, inquiet pour ce qui va se passer. Et si l'immeuble a pris feu, s'il y avait les pompiers déjà, s'il y a quoi, j'ai commencé à imaginer tout le pire. L'enfant était assis à côté de moi, serein, souriant. Papa, par la grâce de Dieu, il n'y a rien qui va arriver. C'est une leçon que je viens d'avoir encore dans ma vie. On croit qu'on sait tout, on croit qu'on peut tout,
Mais Dieu utilise les choses faibles pour confondre les choses fortes. Il utilise les choses faibles. Un enfant, regardez, il a eu plus de foi que moi dans la voiture. Je peux dire, je suis pasteur, je suis prophète, je suis bishop. Mais dans cette situation-là, mon enfant de 14 ans a eu plus de foi que moi. Il y a eu un miracle dans ma maison aujourd'hui. Je veux louer ce Dieu et qu'il fasse des miracles pour vous, dans votre vie. Que tous les malheurs, si tu devais voyager et qu'il y a des pièges dans l'avion, dans le train, dans la voiture, que Dieu te protège. Si tu avais des projets, qu'il y a des pièges contre tes projets, que Dieu te protège. Je réclame la protection divine sur votre vie. Je demande que tous vos projets réussissent au nom de Jésus. Je vais m'arrêter là. On se retrouve demain à 21h pour notre direct de prière. N'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, de partager. N'hésitez pas de vous abonner sur notre page Facebook. Partagez massivement, abonnez-vous et puis invitez vos frères et sœurs. Je vous recommande d'aller sur notre site. La boutique du site est ouverte. La boutique est ouverte. Vous allez trouver du savon. Au lieu d'acheter du savon qui va juste, te laver, te rendre, achète un savon qui va t'attirer la grâce. Achète un savon qui va aussi te donner la protection. Achète un savon qui va quand même t'amener dans une autre dimension de bénédiction. Les savons que vous voyez sont consacrés. Les savons sont bénis. J'ai pris du temps pour consacrer, prier. Et chaque savon a une grâce. Chaque huile a sa grâce. Tout ce que vous voyez dans la boutique, ce n'est pas des choses simples. C'est des choses bénies. Vous qui êtes catholique, vous achetez, vous voyez, il y a l'eau bénite. Vous avez les chapelets, vous avez plein de trucs, les bougies, tout ça. Donc, vous comprenez de quoi il s'agit. En ce qui concerne le milieu évangélique, je vais vous dire que Jésus a craché sur la terre et il a pris pour former l'œil d'un aveugle. Je vais vous dire que le lépreux s'est lavé, Naaman, 7 fois dans le Jourdain, il a été guéri. Il existe les actions prophétiques. Élisée a pris la farine pour enlever du poison. Ça veut dire que tout ce que Dieu a créé sur cette terre a une valeur. Et la Bible dit que tout ce que nous bénissons devient bénédiction. Tout ce que nous bénédissons, l'onction, ça, si j'enlève ça, l'onction qui est dedans, je te donne ça, tu vas avec une onction. J'enlève ça, je te donne, tu vas avec une onction. Je m'assois, je me lève, tu t'assois, tu prends l'onction. L'onction se contamine. Voilà. Donc quand quelque chose est béni, on appelle eau bénie, huile sainte, huile bénie, tout ça, ça dépend de la prière qui a été faite, ce qui a été communiqué à la chose. Donc voilà. Ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas de la magie. Ce n'est aussi pas le commerce. Vous pouvez appeler comme vous voulez, mais il n'y a rien de gratuit. Le savon lui-même s'achète. Les huiles essentielles s'achètent. Les parfums s'achètent. Le temps que je prends pour prier s'achète. Voilà, tout s'achète. Le site même sur lequel vous êtes, il faut le payer. Tout est payant. Il n'y a rien de gratuit. Donc, on ne peut pas bénir du savon pour donner aux gens. On ne peut pas bénir de l'huile pour donner aux gens gratuit. Tiens, prends gratuit. Voilà. C'est pas faisable. Donc, à partir de maintenant, les prières où on consacre l'eau à distance, on consacre l'huile à distance, je vais m'arrêter un peu là. Celui qui a besoin de quelque chose de consacré va l'acheter sur le site. Voilà. Parce que j'ai pris le temps déjà de les bénir. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à demain à 21h. Heure de Paris. Je suis votre serviteur, le Bishop Melchisedec, et je précise que je n'ai aucun droit sur la musique qui est passée sur mon direct. Que la grâce soit avec vous, au nom de Jésus. Shalom.